Oui, salut à tout le monde. Ça, on appelle ça Inch'Allah. Comment on appelle ça du moins? Crabe, non? Crabe. Crabe, ok. Et crabe qui reste au bord de la mer. Il y a deux différences de crabe. Crabe qui reste dans l'eau ou crabe qui reste au bord de la mer. C'est pour au bord de la mer. Vous voyez, donc vous allez chercher les crabes au moins deux ou trois. Vous allez enlever leurs choses là, les grands pieds là qu'on prend pour mordre les gens là. Vous allez enlever ça au moins 3 à 4, ça fait 6. Donc, vous allez attacher ça dans un pécan blanc, en disant pain blanc. C'est ça? Voilà. Vous mettez ça dans un canari. Après avoir mis ça dans un canari, vous mettez 3 cailloux. Vous voyez, 3 cailloux. C'est ça? Et puis, vous mettez le feu là. Là. Comment on appelle ça? En langue, on appelle ça chayo. Et en fond, on appelle ça chayo. En mina, on appelle ça esrou. Esrou, c'est un feuille qui donne une odeur comme parfum. Et les gens utilisent ça pour les bébés. Et ça travaille aussi pour l'infection. Donc c'est ça. Vous allez aller chercher ça sans nettoyer. Et puis vous allez mettre ça sur les choses là de crabe. Et puis les cailloux. Vous allez mettre ça. Comme ça. Suffisamment. Hein? Vous allez mettre ça suffisamment. C'est ça, le reste, c'est comme ça. Donc, ça, c'est en base de quoi qu'on fait ça. Et fibromes, les femmes qui souffrent de fibromes, fibromes qui restent dans la ventre des femmes, et puis on disait que ils vont suivre l'opération, elles vont suivre l'opération. Elles vont aller faire l'opération avant de faire l'enfant, avant de faire ci, avant de faire ça. Et puis il y a des fois, les femmes là, il fait chaud là, et comment dirais-je, il commence pas à couler des sang. Il commence pas à couler du sang là, et puis ça ne cesse pas. Et puis aller à l'hôpital, ils vont dire que c'est l'opération qu'elle va suivre d'abord, avant le sang va cesser là. Si tu commences pas à utiliser cette tisane, ça va guérir. Et puis, si tu commences pas à utiliser les tisanes, et si tu es une femme qui continue toujours de voir ton menstruum, ça va sortir par les menstruums, tu vas voir les bouts de cailloux de sang. Et puis, si tu ne vois pas ton période, tu vas commencer par à faire la diarrhée. Si tu as fait le caca, donc tu vas voir qu'il y a des choses comme la viande. La viande qui est sortie par cela. Si c'est dans la période, tu vas voir quelque chose comme les viandes, la viande comme ça, la viande et morsure qui est sortie. Donc après ça, maintenant, si tu allais faire l'échographie, ils vont dire que c'est parti ou bien c'est diminué. Si c'est diminué, tu vas reprendre encore le même tisane et ça va aller. C'est ça que je veux préparer pour quelqu'un. Je tiens à vous montrer ça gratuitement. C'est ça. Donc, ça là maintenant, on met de l'eau. Tu vas mettre de l'eau suffisamment. Et puis, tu prends un verre de la bière, verre bambou, matin. S'il n'y a pas verre bambou, tu prends une tasse de thé là. Tu prends ça un matin, un midi, un soir. Et puis, des fois, si tu commences pas à prendre ça, ça donne le mal de ventre.
un peu seulement 2 à 3 jours, ça va cesser. Parce que ça est en train de couper les choses qui, est-ce qui sont là, comme viande là. Donc c'est ça. Et je me nomme Sa Majesté Togbe Yedi. Et je suis au Bénin. Et je réside à Tiémé et Lokosa, les deux endroits. Et je suis le président communal CNCV des Racines. À Tiémé, actuel président des 6 présidents du Mono. Donc, je donne mon numéro de WhatsApp 00229-97-10-08. 00229-97-10-08. Appel vidéo bon, disponible à tout moment. Merci. À bon entendeur. Salut.